Et yo, du coup, les gens, on est parti pour une petite game de Shyvana. AP ou AD, je sais pas encore. Peut-être AP plutôt. C'est dommage d'investir 44 milliards dans Twitter quand on voit tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Alors, ça, c'est vraiment l'argument de merde par soit des gens qui comprennent rien à la vie, soit par des bisounours. Donc, je sais pas dans quelle catégorie t'es, mais je vais essayer de t'expliquer. Pourquoi tu reproches à un gars privé où c'est son argent un reproche comme ça, et pourquoi tu ne reproches pas à l'État qui a genre à peu près 15 fois plus de budget que 44 milliards et qui ne règle pas ses problèmes en fait. Tu vois. Donc bon, c'est comme si, je sais pas, dans ta maison il y avait du feu, il y a un gars qui mange une glace dehors et il y a les pompiers pour qui tu payes, etc. Et les pompiers s'en battent les couilles du feu. Et toi, t'es là en mode, là frérot, t'as acheté une glace, cette glace, tu pourrais la faire fondre et essayer d'éteindre la maison, tu vois. Je trouve que c'est un peu débile comme raisonnement, no joke. Tu vois. Genre, c'est un peu en mode, tu sais. En fait, c'est soit très débile, soit genre très bisounours, tu vois. T'es là en mode, mais on pourrait nourrir tout le monde et que tout le monde s'aime. Et après, on ferait des bisous et des. Et voilà, et tout le monde serait heureux dans un monde. Bon, moi j'aime bien aussi, avant que les gens ils s'offusquent, j'aime bien pousser le débat un peu, tu sais, les gens dans leurs vrais arguments. Je trouve les débats assez stériles. Moi j'aime bien, j'ai, comme dirait Wack, j'ai un esprit assez de contradiction. Ou des fois je vais tenir des positions assez. Pas dur, mais tu vois, exprès pour titiller les gens et pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, tu vois. Bon, petite Shyvana, on farm, de toute façon c'est pour ça que je parle avec le chat hein. Pour les gens qui se demandent sur YouTube en mode mais pourquoi il est pas focus sur sa game? Là en vrai mon but c'est de power farm. Alors mon but c'est de taper des minions, passer level 4 et peut-être level 4 je vais pouvoir commencer à jouer. Bon, on a quoi comme compo? Donc là on est repassé D1 parce que je me suis fait algorithme 3 games. Tout d'un coup on a re des vrais picks avec des vrais joueurs, des vrais compos. C'est vraiment le bol. C'est vraiment genre. Bon. Ouais, dommage. Bon, après, j'ai peut-être parlé trop vite, hein. Je sais pas si vraiment ça se gank ça. Ah mais c'est je suis à poil. Ah. Ok. Bah ok, j'ai peut-être parlé un peu trop vite, hein. Sais pas si c'est Ward. Je sais pas si c'est Warn, ouais, ça doit être Warn. Nul le flash, non, bah après ils ont tout claqué. Suis pas sûr qu'on puisse gank en vrai. S'il rate pas, je pense qu'il est mort, mais. Ok, nice, on récupère un kill. Ah, sérieusement? Bon, ça va en vrai, il se suicide pour moi, mais.
Il suicide pour moi et j'ai une assist, mais ouais, j'avais pas vu qu'il. Oh, il est level 6. Il a bien farmé le cochon. Ah, j'avoue que le jungle level 6, avant, il met deux levels au top. Bon. Après, ça va, il y a 4-5, ça joue. Bon, leur compo est assez forte en vrai. Notre compo, je sais pas ce que ça vaut. Je pense qu'il y a match quand même, mais ouais. Ok, nice. Putain, tout d'un coup, quand t'es plus dans l'algorithme, les games deviennent jouables. Ça doit vraiment être le hasard, hein. Attends, comment j'aurais pu pré-shot que la game d'après, là, elle allait être jouable? Je pense que je dois être un génie. En vrai, je dois voir le futur, hein. Je dois voir, tu sais, je suis Néo dans Matrix. J'arrive à prédire quand les games vont être injouables et quand les games vont être jouables. Avant même que ça tague. C'est bizarre. Oh. Ouais, là le problème c'est que Diana est feed et du coup il faut respecter de fou. Hein. Parce que là le problème c'est qu'une Diana aussi feed, c'est un peu relou. Bon, je pense qu'on peut quand même gagner, hein, mais. Ok, je suis level 6, c'est pas mal. Ouais, j'ai pas pris Fiddle parce que Fiddle contre leur compo là, c'est un peu de la merde. Genre Trinda, c'est de la merde. Alors, en fait, là contre Soraka, Séraphine, c'est de la merde. Contre Trinda, c'est de la merde. Contre Diana, ça va, mais ouais. Y'a Diana bot. Ok, nice. Alors on peut prendre des plates. Bon, ils font le Drake, hein, t'inquiète. Peut-être un peu grid ce que je vais faire là. Ok, Diana et bot. Enfin, je sais pas, là tu regardes la bot lane, tu vois, ils sont intelligents, ils décalent. Ils se disent, tiens, le jungle peut être à mon raid, je vais aller check. Tu vois, il y a de l'intelligence de jeu quoi. Ah, il faut que je stack mon R avant. Oh, elle est morte là, Irelia. Ok, nice. Oh non, le canon. What a drame. J'aurais peut-être pu Herald. Tiens, elle a quoi? Elle a son item. Ok, nice, je vais back moi. En vrai, je suis pas mal feed. Le problème c'est qu'ils sont pas mal feed aussi. Hein. En fait là il y a qui de feed? Il y a Diana qui est feed, Irelia elle est pas si mal. Après je pense qu'on a une très bonne compo qui scale. Après je pense qu'eux ils ont une compo un peu cancer aussi. En vrai, je pense que la game, il y a match, tu vois. Je pense qu'Irelia, elle est facilement abusable avec un horn.
Ouais. Ah, Twitch est mort. J'arrive bot. Je suis peut-être mort, non? Ok. Bon, la game est intéressante. En vrai, là ça joue, il n'y a pas de troll des deux équipes. Ah ouais, ça par contre c'est un peu vieux ce qu'ils allaient rester. Est-ce qu'ils peuvent me dive? Ah, ils peuvent peut-être me dive en vrai. Nice. Bon, on récupère un kill là-dessus. J'avoue, il veut mettre l'Herald, il a raison. Je suis obligé de back là, j'ai trop de gold. Ah dommage. Ouais, la game ça joue hein. Ils ont un Drake, on peut leur laisser un deuxième Drake. Bon. Je voulais Irelia, elle m'a pas trop respecté là. Je sais pas si je peux pas prendre une plate en vrai. Parce que Shyvana ça push assez vite hein. Voire même deux. Voire même la tour. Nice, bien joué. Ah, la game, en fait, vous rendez compte là un peu la différence entre la game d'avant qui puait la merde et là cette game. Genre on est à moins haut elo et comme par hasard la game est plus intéressante. Parce que là je pense que le matchmaking n'est pas cassé, tu vois. Là, ils ont reset leur matchmaking de merde de se dire « Tiens, on va mettre que des gars nuls. » Bon. Parce que là, tu vois, ça joue. Il n'y a pas vraiment de troll, tu vois. Bon, il y a des erreurs, hein, mais... Tu vois, il n'y a pas de gars où t'as l'impression de te dire « Mais attends, il sort d'où, lui ?» Oh, le couze, là, il sort d'où ? Salut, salut à toi Sopo. Un peu un pseudo de merde Sopo. Si je... Ça fait suppo en fait. Bon là je suis à deux items. Je suis assez feed. Qui m'a volé mon bleu? M'a volé mon bleu. Ah par contre faut pas rester en... faut pas rester seul Diana. Après je devrais peut-être pas être top là en vrai. Diana is so fucking OP. Bon, elle est à 11-2 donc je pense que encore heureux qu'un champion à 11-2 détruit un champion. Ouais, on peut prendre une T2.
Après, il y a l'Hérald en vrai qui serait bien à prendre. Je pense qu'on va go Hérald. Ouais, il y a Diana qui continue de push, normal. On va prendre ça et puis on va reset. Ok, nice. La Irelia elle a quoi? Elle a 2-7, elle a un item. Je pense que je la détruis. Ah non, peut-être pas en vrai. Oh, surtout si je rate ça. Ah, oh, je suis mort, je pense. Ah non. J'ai tout raté, c'est honteux ce que j'ai fait. Ah, j'ai un peu très mal joué là, on va pas se mentir que... Après en vrai, Shyvana... Ok, nice. Ouais, je l'ai un peu bait là. Ok, on va partir sur ça. La potion, on peut vendre. Parce qu'une ping, c'est mieux. J'ai mon Hérald encore 155 secondes. Je pense que je vais le mettre au Drake. Parce que là, il y a le Drake dans une minute. Je pense que la game, il y a des chances qu'elle s'éternise un peu. Vu qu'elle est serrée, du coup, c'est intéressant d'avoir le deuxième Drake. Du coup, j'ai mal joué là, clairement, sur la Irelia. J'ai de la chance qu'elle ait pas de flash parce que bon. Là, le problème, c'est que Tryndamere, il a quoi? Il a. Oh. Tryndamere, je sais même pas si je le investis. Hein. Oh, si, quand même. Bon, au moins, je le mets out en 1Q. Je pense que je vais. Pochette lane. Ok. Ok. Bon, ma team qui gagne, c'est cool. Là, par contre, je gagne un gold par minion, c'est vraiment pas beaucoup. Ok, on va pas prendre l'inhib, c'est peut-être un peu trop tôt pour prendre l'inhib. Il y a aucune plus-value à prendre l'inhib là. Ça va leur faire du free farm, Tryndamere, ils peuvent facilement dépush et tout. C'est vraiment pas ouf de prendre l'inhib. Ouais. Bon. On va ping que là, l'objectif c'est de prendre les T2. La dernière T2, ça fait des golds. Ah, le troll, le Trinda il troll. Ouais. C'est vraiment quel hasard, hein, les gens. 7 games de suite, j'ai des mates de merde. Après 7 games de suite, j'ai des bons mates. Là, je repasse des 1. Comme par hasard, tout d'un coup, le jeu décide de me remettre avec des bons mates. C'est vraiment le bol, quoi. Oh non, c'est raté ça. J'ai tellement raté mon E. Oula. Aïe, 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 aïe. Ah, Lulu. Mais, bah, il n'y avait pas de shield. My bad. Ok, j'ai troll. J'ai troll, j'ai troll. Bon, je vais faire le lentil parce que quand même leur compo est... En vrai, même pas. Il faudrait que je fasse de l'anti-shield plutôt. Ça a plus de value, je pense.
Ok, nice. Fait tellement mal Shyvana AP en vrai. Ça aberrant les dégâts. Bon après là ils ont un troll en face du coup la game elle est win mais... Mais bon. Ah, en vrai ils ont deux trolls quoi c'est... J'ai buffé les minions au top. Oh les dégâts. Ouais bah le hasard, non c'est le hasard les gens, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a regardé ensemble, bon on a 7 pouces de suite, j'ai que des singes, pas un bon joueur. Après on a 7 wins de suite, j'ai que des bons joueurs et il y a une game que je perds parce que je solo lose, tu vois. Et après 3 loses de suite, on repasse D1, comme par hasard, tout d'un coup, on est repassé D1, il y a un truc qui doit se déclencher dans l'algorithme de Rio qui dit « Ah, il faut qu'il remonte, attention !» Et là, du coup, bah, j'ai une free win, quoi. C'est aberrant. C'est aberrant. Bon, en tout cas, bah, petite game, ouais. Là, Shyvana, Shyvana AP, ça carry. On est top dégâts. Ah non, il y a Twitch, ouais. Mais le hasard fait bien les choses. Ouais, non, mais certains vont dire que théorie du complot, tout ça, tout ça. Moi, je dis juste que c'est le hasard. C'est le bol, c'est la chance. Bon, tu vois. C'est... C'est voilà, tu vois, il y a des théories dans la vie où tu peux pas remettre en cause parce que sinon t'es complotiste. Mais bon, il y en a qui sont très 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 chanceux. Et ben là, moi, je savais que j'allais avoir de la chance. Et du coup, c'est le hasard, quoi. Bon, allez, des bisous. Ciao, bye.